Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur l'online, le multi de GTA V. Donc j'ai pas voulu lancer directement pendant la cinématique du début, d'ailleurs qui me saoule que j'ai vu 90 millions de fois comme je pense 90% de la population qui essaie de jouer sur ce fucking jeu de merde. Non, désolé, et c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes, du coup c'est vrai que le lancement il est un petit peu, il était un petit peu foiré. Bref, on va pas commencer à parler de ça. Depuis le patch, le deuxième patch qui est sorti, j'arrive à peu près à jouer. J'ai 2-3 persos qui ont été delete. Bon, j'étais level 10 ou 12 maximum. Mais bon, ça fait quand même un petit peu chier. C'est pas grave, j'en ai profité pour commencer déjà à faire 2-3 vidéos dessus. Vu que les premières parties, on va dire le tuto, se fait seul. Donc j'ai décidé de le faire tranquillement. En fait, j'ai voulu vous montrer on va dire la conception, la création du personnage qui est assez particulière au niveau de la personnalisation. Je sais pas, la personnalisation, je la trouve complètement, je sais pas, chelou. C'est vrai que c'est un bon concept, le truc des grand-mères maternelles, grand-père paternel et tout ça, mais je trouve vraiment le truc très bizarre. C'est vrai que les persos, faut passer énormément de temps pour trouver un truc qui ressemble à quelque chose, quoi. Donc moi personnellement, j'ai mes trucs prédéfinis, quoi, prédéfinis. Je l'ai tellement fait de fois que je peux vous le faire par cœur. Je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de faire. J'ai fait un perso qui est, on va dire, qui me ressemble, parce que ça serait faux, mais un perso que j'aime plutôt. J'aime plutôt sa gueule. D'ailleurs, il va falloir que je commence à enlever aussi quand toutes les personnes se connectent à Xbox. Il faut que je regarde ça parce que ça c'est saoulant à chaque fois dans les vidéos. Donc moi, je fais une personne qui ressemble à un Mexicain, on va dire, entre guillemets. Vous allez voir. Donc à chaque fois, je mets 1, 1, 1 et 2 pour ça. Après, on verra pour les réglages. Vous allez voir, je vais pas laisser comme ça les têtes de cul. Le style de vie, personnellement, j'aime tout ça. Tout ça. C'est juste pour commencer avec une bonne base, on va dire, entre guillemets. Ça, en fait, je fais avance, je recule et j'avance pour changer de vêtements, on va dire, excusez-moi. Voilà, je le mets à 10, 2, et là, je mets 12. Comme ça, j'ai un petit peu de force et un petit peu de conduite. Endurance, c'est vrai que j'en ai pas tellement, mais bon, c'est pas trop grave. On va le faire tout le long du jeu. Donc ensuite, je lui enlève son chapeau. Je mets la coupe hipster, voilà. La barbe, je lui mets le bouc. Mais juste le petit book normal, voilà, tranquille. Tac, 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 j'ai déjà créé un crew. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment ça marche et tout. Donc on verra plus tard, on en parlera tranquillement. Style de vie, hérédité. Et on va commencer à personnaliser un peu sa tête. Donc vous voyez que au final, sa tête, elle va ressembler à ça. Je passe plus du côté maternel. Même si elle a une sale gueule, je trouve. Ensuite, en fait, vous pouvez le faire blanc comme ça. Mais moi je pousse dans le juste au maximum noir, quoi, un petit peu noir, et je le fais devenir un peu plus pâle, voilà, comme ça. Même si ça lui crée un petit peu les joues, mais je trouve que il est pas mal du coup, du tout, comme ça. Voilà, du coup j'ai mon petit personnage, un petit peu un petit délire mexicain. La balafre sur le côté, c'est parce que je fais des travaux illégaux, donc c'est pour ça. Ne vous affolez pas. Et donc j'ai mon petit perso et on va lancer la cinématique de suite. On va choisir un perso, non, comme d'habitude je vais mettre le même que j'ai fait 90 millions de fois. On va mettre chaque cours. J'ai mis 2 R parce que j'en ai déjà fait un de perso. Ok. Donc je sais pas du tout si ça va marcher, ça va pas marcher. Et ça marche, donc je vous laisse apprécier l'intro pour ceux qui n'ont jamais vu.
What that shit do, you big old pimp, you? I see you up in this motherfucker now, huh? That's what I'm talking about. Come here, holler at your boy. Man, it's good to finally meet you, man. After all that time on Life Invaders, man, we're friends in real life now, huh? Look at you, dude. You, like, smaller than you look in your picture, but... Ah, fuck it, it don't matter. Hey, I heard you wasn't a big talker, right? If I said, just probably need to get settled in, got that jet lag, you know? So I got a little gift for you. Welcome to Los Santos. Untraceable. You gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Man, dog, I'm glad you here, man. It's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip, man. Your boy know people all over the city. Like the boy Hal. He is, like, hands down, the best mechanic in town. Or the other boy, Simeon, man, he's literally the best bullshit artist in town. Or we can go fuck with the homie G, or any of the homies from family for that matter. You straight. Matter of fact, we gonna fall through on Hal right now and see if we can get us a race, you know? You with the business, we can make us a little wager. Ooh, hey, that's my shit. Yeah, dawg. This is the spot right here. Go post up right there real quick while I make this call. We're gonna get you a car or something to race in or stare at the back of my shit in, because you're gonna eat my dust, punk. Shay Shay. Direct, vous avez vu qu'il y a énormément de clipping sur le jeu, c'est abusé quoi, dans la cinématique, genre la cinématique. Ça dépend, des fois j'en ai pas, mais là j'en ai. Oh, pourquoi il roule du cul comme ça mon perso? Donc là on est parti, alors c'était dans cette fameuse mission que tout le monde buguait au début du jeu et moi-même je pouvais pas aller plus loin que là, ça frisait à partir de cet instant là et là ça a l'air de marcher, voilà ben ça marche direct d'ailleurs. D'accord, on est que tous les deux, c'est bizarre, on attend d'autres joueurs, c'est la première fois qu'on est que deux, d'habitude il y a quand même des joueurs. Donc tant mieux si on part qu'on est tous les deux tranquille, franchement ça fait plaisir. Donc, ah ben une deuxième personne, c'est pas grave. D'après le, on va dire les stats de la mare, il y a 99 levels. Donc c'est affolant. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai entendu dire que les gros braquages du jeu, ce qu'on voyait lors des trailers et tout ça, se commençaient à peine commençaient au level 50. Je peux vous dire qu'on va en chier grave pour arriver rien qu'au level 50. Donc direct personnalisation de la voiture. Je prends la fugitive, je cherche pas à comprendre. Signe, et, on va pas faire branlette, c'est bon. Ouais, on va faire amour fraternel, le truc du crew. What's up with that shit, man? What kind of whip you trying to push, homie? Donc je vais pas vous mentir, je prends cette voiture uniquement pour son nom parce que franchement je connais rien. Lui il fait des fucks lui. Ah il a une bonne tête quand même le mec. Et moi je suis prêt. Donc vous pouvez voir que le personnage ça va, il a quand même une bonne tête même si... Je trouve qu'il y a des gens, des fois ils font des persos, après chacun ses goûts, hein, moi je dis... Bon par contre il a pas compris qu'il fallait appuyer sur prêt peut-être, c'est la première fois qu'il joue. La mort. Su su. D'ailleurs en passant je viens de voir une vidéo où on voit les trois personnages quoi, les trois personnes qui font les voix de Trevor, Franklin et Michael, et c'est juste hallucinant, la ressemblance est frappante, c'est un truc de malade, surtout pour Trevor et Franklin. J'ai regardé aussi une autre vidéo qui montrait tous les personnages du jeu et c'est juste hallucinant. Les mecs ils sont pas moqués de nous au niveau de la ressemblance. Lamar par contre je trouve que dans la vraie vie il est 100 fois plus beau gosse que sur le jeu. Mais bon ils l'ont quand même fait assez stylé. Même si une personne que j'ai pas trop aimé durant le jeu pour son côté un petit peu quoi. Pour son caractère et tout ça. Mais ça reste quand même un assez bon perso. Faut pas se... On va pas se mentir.
Ain't no shame in coming second, dog. Somebody gotta do it. En toute façon, quoi qu'il en soit, je serai troisième. Donc, ça peut être pas mal. Comme d'habitude, j'appuie sur le turbo direct. Alors, comme d'hab, je vais enlever la radio. Lui, il a l'air chaud. J'espère qu'il va pas commencer à me casser la tête à vouloir me foncer dedans ou quoi. Parce que la première fois que je l'ai fait, les mecs, c'était vraiment un truc de malade. Genre, le jeu venait à peine de commencer. Tous, ils voulaient se tuer, quoi. C'était un truc de fou. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait, la mort? Vas-y, la mort. Ciao. Attends, le poteau, il est passé où, l'autre? Il s'est perdu, quoi. Il a pas compris qu'il fallait faire la course. Oui, chez des mecs, c'est des dindins ou ils ont pas compris le concept, quoi. Wow, wow. Oh, putain, il dérape tarpin, la voiture. Bon, la marque, faut que je lui mette un petit trou là. Donc franchement, il n'y a pas de mérite à gagner une course où on est 3. Je vous le dis d'entrée. Mais bon, puisque le jeu le veut comme ça, je sais pas du tout comment va se passer cette vidéo. Ça fait deux fois que je la recommence parce que ça bug à chaque fois. Donc des fois ça passe, des fois ça bug. Je sais pas si elle sortira. J'espère en tout cas qu'elle sortira parce que ça commence un petit peu à me faire chier. Je vais pas vous mentir. Comme le trois quarts des gens, le jeu, franchement, c'était un beat, quoi. C'est un beat, le lancement du online, c'est vraiment un truc de fou. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on. Bref, on va pas commencer à parler de ça parce que ça va mettre plus en rogne qu'autre chose. On est là pour se divertir avant tout. Hop, voilà. Je vais me retourner avec la voiture, c'est un truc de malade. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va découvrir plein d'activités parce que franchement je vais pas vous mentir, je me prends la tête à vous faire des vidéos dessus et je me prends la tête à surtout vouloir jouer à ce jeu parce que franchement hier j'étais en live dessus, ça a pas bugué. D'ailleurs j'ai fait une grosse dédicace à Citizen, à Yuki Duck, à mon petit frère, à Marocchino, à Chito qui était présent hier. Hop là, dans le live, dédicace aussi à toutes les personnes qui étaient dans ce live. On a vraiment rigolé. Et je vais pas vous mentir, ce jeu à plusieurs, c'est juste une dinguerie. Y a pas d'autres mots. Les activités sont juste hallucinantes. Quand vous jouez, quand tu joues avec ton petit frère, mon gars, tu fais des braquages. Genre, c'est juste jouissif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste kiffant. Les petites habitudes et tout ça. Non, franchement, c'est juste un kiff total. C'est pour ça que je m'acharne à vouloir jouer à ce jeu. Et que voilà, j'ai envie de vous présenter ce online. Le jeu lui-même, déjà le solo, il était juste. Il n'y a pas de mots, quoi. Franchement, il était magnifique. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je me languis la version PC encore une fois. Et là, franchement, l'online. D'ailleurs, j'espère que ça sera la première et dernière vidéo que je ferai tout seul sur ce online. On va voir du moins comment, si je peux m'organiser avec des collègues. Donc, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de mérite à gagner une course où on est 3, surtout quand l'un des 3 personnages, c'est un bot. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il arrive. Je sais même pas si c'est le bot ou si c'est le mec qui joue là. Ah, je crois que c'est le mec qui joue. Lamar, il a terminé dernier, le pauvre. Allez. Donc, vous voyez que les chargements sont lents. Vous voyez qu'il y a encore des problèmes, quoi. Même qu'il y a eu ce deuxième patch, il y a quand même énormément de soucis dessus. D'ailleurs, voilà, je sais même pas si ça va bugger. Donc, à chaque fois qu'il y a un chargement, je pleure, quoi. Je pleure, je stresse. J'ai des gouttes qui coulent du front. Je me dis, alors, est-ce que ça va bugger? Est-ce que ça va pas bugger? Ah, je sais pas ce qui se passe, là. C'est juste choquant. Ma foi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce chargement? Ah. Vous savez pas. Ouais, d'accord, record du monde, c'est ce qu'il y a. Vous savez pas comme c'est. C'est. Comment dire? C'est pas frustrant, mais genre. C'est stressant en fait. Quand vous jouez sur un jeu, que vous êtes en live. Et que. Alors, mais juste coup de temps. Quand vous êtes sur un jeu. Et que vous savez pas du tout. Si ça va marcher, si ça va pas marcher. Surtout que c'est très instable. Là, c'est comme si je jouais avec le feu. Là, c'est. Encore une fois, là, je suis dans le chargement. Est-ce que ça va bugger? Est-ce que ça va pas bugger? En tout cas, ça m'en a tout l'air là. On voit des nuages blancs. Ouh. Vas-y, Moré, dis-moi que ça marche. Ce qui est bizarre, c'est qu'on entend toujours les ambiances sonores en fait du jeu. Après, il y a certaines personnes, bon, une minorité hein, qui arrive à jouer au jeu sans problème. Tout à l'heure, Maro m'a dit qu'il avait vu des personnes, c'était déjà level 51, 52 et tout ça.
C'est juste hallucinant, ça veut dire que eux, dès le premier, à mon avis, ils ont pu déjà jouer sur le jeu. Après, voilà, je vous ai dit, c'est une minorité. Moi, personnellement, je galère encore à faire les premières missions. Rien que le tutoriel, ça bug encore. Vous voyez que là, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc, ah, ça y est, on commence à voir les tutos, quoi, les indices, les astuces. Ok. Yes. Yeah. Man, if you don't get off my phone with this bullshit, why? Man, some people are so clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G, he looking for somebody low-key right now, and to be 1,000 with you, I'm thinking you. Look, it's a big exchange of merchandise going down. The Bagos and the Ball Eaters and squash their little cultural differences or what the fuck ever. Anyway, why don't you slide down there and see if you can shake up the free market economy a little bit and get that cheese. Hey, I'm gonna text you the boy G address. Don't even trip, he's straight. That's my dog. You know we got you. Ok. Donc écoutez, je sens qu'on va rigoler directement. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut pas venir avec moi? Il a pas l'air de vouloir venir. Bah écoute mon gars, tant pis pour toi. Fais ta life, fais ce que tu veux. Moi je trace. Hein? C'est sûr que t'as pas envie de venir? Non, il est là-bas. Bon, tant pis. Donc première chose que je vous conseille de faire, si vous restez appuyé sur le bouton select, vous avez toutes sortes de menus interaction, comme c'est marqué juste en haut, pour faire plein de choses qui vous éviteront à chaque fois de chercher ou de galérer. Donc, une chose très importante à désactiver si vous en avez marre d'entendre plein d'espagnols, d'anglais, de français ou même n'importe qui parler sur le jeu, il vous suffit de vous rendre sur ça et de mettre chat personne. Comme ça, vous n'entendez plus personne parler sur le chat et c'est vraiment, c'est énorme, la vérité. Donc, voilà déjà ça. Ensuite, vous avez plein de choses à régler, vous avez vu le GPS, nanana, l'inventaire. Ça, c'est ce que vous prendrez quand vous aurez des équipements, des lunettes, chapeaux, masques et tout ça. Pour les équiper au fur et à mesure du jeu, vous comprendrez un peu plus tard comment ça se passe. On va vite se rendre à la mission. La première fois que je l'ai fait, on était 4 ou 5. Les mecs, c'était tellement des débiles qu'ils essayaient de me tuer au lieu de faire la mission alors qu'ils pouvaient pas vu qu'on était dans le tuto. C'est ça, hein, GTA 5, les gens ne comprennent pas, ils veulent tuer tout le monde. Donc, direct, première chose à faire. Vous sortez, je vous le dis pour le faire directement, hein. Vous butez le premier mec, vous remontez dans la voiture direct. Parce que le type va s'enfuir avec la coque et au lieu de perdre 10 ou 15 minutes à vouloir le courser, vous le tuez, vous récupérez la coque direct d'entrée. Qui se trouve ici d'ailleurs. Ok. Et vous partez. Voilà, sans vous prendre la tête. Hop là, et on style directement. Parce que j'ai des collègues qui ont passé... Qu'est-ce qu'il fait? Ah ça y est, t'as compris qu'il fallait qu'on joue. J'ai des collègues qui sont passés un temps fou à rattraper le chip parce qu'ils ont commencé à tuer les bots alors qu'ils savaient, ils voulaient juste récupérer la coque et se tailler quoi. Donc lui il a compris qu'il fallait qu'on joue. C'est bien qu'ils l'ont TP directement sur moi. Sinon j'allais pas l'attendre, hein, je vais pas vous mentir. Et puis dans ce jeu, sans pitcher, je vais pas vous mentir, sans pitcher. Parce que des fois j'aide des mecs et d'un coup ils se retournent contre moi et me tuent. Après vous allez me dire c'est le but d'un live, quoi, du jeu online. Mais après voilà, c'est des fois ça me tue de rire, je vous jure. Hey G, come out here, man, my folks here. What's up, dog? How you doing? Well, goddamn, you antisocial motherfucker, you gonna speak? Hey. See, I told you, y'all gonna get along great. Y'all can get to take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dough. Yeah. All right, here. It's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way. Yeah. What I tell you, motherfucker, he like you. And now you got you some bread, what you need to do is go get you some motherfucking gear, because you bummy as fuck. You can't be walking around with me looking like that. You need to better representate yourself, you know what I'm talking about? Hey, G,
Don't get lost, fool. Come on, man, tear that shit off, man. I need my commission, G. You hear me, dog? I need my commission, nigga. You about a stingy motherfucker, man. Direct, donc il se fait tout entuber notre ami Lamar. Bon, là c'est parti en fait. Là on est dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on continue. Là on va être véritablement dans le jeu. Donc si je veux ou s'il veut, lui il peut me tuer à tout moment. À partir de maintenant, quand on va sortir. Et c'est ce qui arrive fréquemment dans ce jeu. C'est que dès que tu sors de la mission, il y a toujours un mec qui veut te buter. Et que d'un coup, je sais pas, il se prend pour un héros ou quoi. Donc je vais vous montrer aussi plein de petits trucs à faire au début du jeu ou même tout au long du jeu. Mais c'est vrai que si vous débarquez sur l'online d'un coup comme ça, il y a plein de choses que vous allez pas comprendre. Et vous allez dire what the fuck, il se passe quoi? Bon lui, on dirait que ce mec il est à l'ouest quoi. Je suis tombé avec un chip, il est à l'ouest, il comprend rien. Et j'ai l'impression qu'il me fait bugger même. Donc petit clin d'œil parce que si vous avez remarqué, on se retrouve chez Franklin. Dans la mission de Franklin. Ouais, c'est chez Franklin. Vite, monte dans l'aventure avant qu'il me bute, quoi. Oh, attention, il a deux tensions. Je pourrais le tuer, mais c'est pas mon but. Je vais pas vous mentir. En fait, ça vous attire une mauvaise réputation sur le jeu de tuer des gens. Donc, moi, pour l'instant, je vais plutôt faire les choses bien. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde sur le serveur. Je vais vous montrer aussi deux, trois petits trucs. Par exemple, si vous appuyez deux fois en bas, vous avez la map qui est souvent plus grande. Ça, c'est grave, grave. C'est efficace quand vous avez besoin de vous enfuir ou auprès des flics et tout ça. Donc on va se saper. Comme nous l'a dit notre ami. Et je vais faire pareil que ce que j'ai fait en live. Donc c'était les baskets grises. Que j'avais bien kiffé. Au niveau du pantalon. Il est pas mal celui-là comme ça le pantalon. Je vais regarder plutôt les suites direct. Je vais remettre mon sweat à capuche que j'avais trouvé plutôt stylé, vous allez voir. C'est celui-ci. Après, vous aimez pas. Moi, je kiffe personnellement. Du coup, le pantalon, c'est vrai que ça va pas trop faire bien avec le beige. Ouais, remarque, c'est pas trop vilain non plus. On peut le mettre soit en treillis. Treillis, wesh, ça fait un petit peu gay. Pantalon de sport, ça fait quoi? Je trouve que c'est pas assez large à mon goût. D'accord, ça c'est bloqué. Chino. Le chino, il est pas mal. J'aime bien le chino gris. Short de sport, ça c'est lol. Alors vous voyez que là, on entend un mec parler. Ce que je vais faire, c'est direct. Ah, je suis dans le truc, je peux pas le faire, d'accord. Pantalon de travail, donc c'est ce que j'ai actuellement. Mais on va le prendre d'une autre couleur. Peut-être un peu plus foncé. Ouais, c'est bon, on le prend un peu plus foncé. On va vite prendre les Ray-Ban, ce que j'appelle les Ray-Ban parce qu'ils me font vachement penser à des Ray-Ban. Elles sont là. Décontractées, je crois que c'est celle-ci. Donc vous voyez, il commence déjà un petit peu à avoir de la gueule. Est-ce qu'on peut aller directement? Ouais, on peut aller directement. Donc je vais direct placer mon argent sur la banque. Vous n'avez pas besoin de chercher des distributeurs. Si vous voulez le faire, que ça soit rapide, vous allez sur Argent Service, Maze Bank. Vous allez, menu principal, versement pour tout placer à la banque. Je place mes 3479$ directement. Ok, donc quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il arrive, même si je meurs, tout l'argent est placé en banque. Donc ça déjà c'est bon, c'est fait, on va récupérer notre voiture. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il a frère? Pourquoi il monte avec moi lui? Il a pas d'amis ou quoi? Mais il y a des mecs qui comprennent rien au jeu, c'est abusé quoi. Et lui, il y a des mecs qui comprennent rien, c'est chaud quand même. Lui, il est venu normal comme ça, il s'est crissé dans la voiture. Ah, peut-être qu'il voulait faire à Miami, tu vois, je te jure, mais moi personnellement, les chips à Miami, non, non, ça m'intéresse pas. Donc, chat, crew, ami, crew, personne. Pour l'instant, je mets personne. Accès véhicule. Je vais mettre crew plus amis. Donc toutes les personnes qui seront de mon crew plus mes amis pourront venir dans mon véhicule. Ou sinon le reste, fuck. L'émission se lance comment? Directement à partir du téléphone comme d'habitude. Donc une petite mission braquage avec la marque qui démarre directement. Il vous suffit d'aller sur le téléphone, de prendre liste d'activités, accepter et c'est parti les oiseaux.
Donc avant de faire tout ça, un conseil encore une fois, je vais vite faire un truc. Oups, pardon, excusez-moi madame, monsieur. Je vais vite aller acheter un truc. Non, bon, pas de chance cette fois-ci. Lors de ma vidéo précédente, j'avais que trouvé des R8. J'avais énormément de cul. Ah merde, le magasin il est pas là, c'est de l'autre côté. Ouais, alors attendez, ça c'est un petit conseil encore que je vous donne. Après, vous l'acceptez ou l'acceptez pas, vous faites ce que vous voulez. C'est grave efficace, mais j'ai l'impression que je tombe que sur les mêmes voitures quoi, c'est hallucinant. De prendre un masque avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez que le mec là, War Eagle là, qui était avec moi depuis tout à l'heure, il a quitté la partie. Donc lui, c'est un mec, il avait pas trop compris le concept ou je sais pas quoi. Oui, d'aller chercher un masque, excusez-moi, je me perds un petit peu dans ce que je dis. D'aller chercher un masque pour faire des braquages. Alors à quoi sert un masque, vous allez me dire, c'est comme un petit peu dans la vraie vie. Quand vous allez braquer ou quoi que ce soit, vous mettez une cagoule, un masque ou un truc pour pas qu'on vous reconnaisse. Et là, ça va être exactement la même chose pour baisser vos indices par rapport aux flics. Donc c'est ce qu'on va faire direct. Putain, c'est vraiment une daube cette voiture. En plus, niveau conduite, c'est pas trop ça. Par contre, c'est pareil que sur le solo. Vous allez vous apercevoir qu'on peut monter les choses. Le petit fuck qui passe bien. Je vous emmerde, bande de connards, pardon. Les compétences sont... Vous pouvez améliorer vos compétences comme dans le solo. Pour aussi toutes les personnes qui sont dans le... sur la map. Donc je vais acheter mon masque, le même que d'habitude pour le moment. Donc je vais prendre le blanc. Voilà. Et je vais prendre aussi un petit chapeau, mon petit bonnet que j'avais pris. Je trouvais stylé, ça faisait bien. Mais je l'équipe pas pour le moment. Voilà, donc pour l'instant je trouve que c'est pas mal du tout. Maintenant on va aller au magasin. Pour vous voir qu'à tout moment on va pouvoir changer. Il faut vite faire la manipulation, mais si c'est faisable. Alors j'espère que ça va pas faire. Alors, pareil que dans la prise de... On va dire laisser de vidéo. Oh, il y avait une méchante voiture, bon c'est pas grave. Parce que j'ai attendu à peu près un quart d'heure avant de lancer cette mission. Vu qu'une personne avant moi avait déjà fait le braquage. Du coup, vous vous en doutez bien, quand une personne fait le braquage, la boutique est fermée pendant quelques temps. Il faut attendre que ça reset le bordel et qu'après, ouais, vous pouvez retourner dedans, quoi. Alors vous apercevez aussi sur votre gauche en bas que tout le monde se tue. C'est normal, les gens aiment faire trop ça, je vous rassure directement, donc je vous l'ai dit depuis le début, ça vous baisse votre notoriété, pas une notoriété, mais vous êtes mal vu, et en plus de ça, on peut mettre des contrats sur votre tête, ça peut rapporter gros, donc si vous voulez pas vous attirer la foudre, voilà, essayez pas de vous amuser à vouloir tuer des gens. Après, c'est vrai que c'est rigolo, ça vous rapporte que 100$ au début du jeu. Après, je sais pas si ça correspond au liquide qu'a la personne sur lui ou pas. Parce que là, je vous dis plein de conseils, plein de trucs et tout, mais je découvre encore moi aussi le jeu. C'est tout neuf, ça fait 2 jours que j'y joue, même pas. Et là, on va embarquer cette petite supérette. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous appuyez sur Select vite fait, hop, vous mettez inventaire, masque, hop, j'ai le masque de hockey, j'ai fail, c'est pas grave. Donc, évitez de se prendre le truc d'essence. Donc, j'ai mis mon petit masque, hop, et on est parti. Hola, amigo! Comment est-ce que t'as dans la casa? Allez, vas-y. Sors-moi tout, mon gars. Donc, encore un mec qui a des trucs de cul, bordel. Tout le temps, quand je braque les chips, ils ont des trucs de cul, c'est pas possible. Station essence, mon gars. Allez, vas-y, bouge-toi. Donc, comme dans le solo, pour intimider la personne, vous pouvez tirer évidemment sur le côté. Donc, un conseil, vraiment un grand conseil, verrouillez toujours le mec quand vous partez. Parce que ce mec peut souvent vous tirer dessus. Ah putain, j'ai pas de chance, j'ai direct les flics. Ce mec peut s'amuser à vous tirer dessus en partant, il peut vous tuer, et ça serait vraiment ballot. Ça, plus une chose qui m'est arrivée tout à l'heure aussi, c'est qu'une femme normale, un PNJ du jeu, vu que je braquais le mec, a commencé à me tirer dessus, quoi. Et là, je vous avoue, franchement, j'ai été choqué. Donc il faut se méfier de tout. Quand vous faites un braquage des oiseaux, méfiez-vous de tout l'environnement, parce que n'importe qui peut vous tuer, que ça soit le mec que vous braquez, que ça soit les flics qui arrivent, ou que ça soit même un PNJ, quoi. Franchement, j'ai été choqué tout à l'heure. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert d'enlever, de mettre le masque. Donc normalement, si vous appuyez sur Select, vous faites inventaire et vous enlevez le masque de hockey, vous pouvez vous apercevoir direct que j'ai perdu une étoile. Donc ça, c'est grave intéressant.
C'est des petits trucs à savoir. Ah, je vais mettre un petit peu dans le coin. Voilà. C'est des trucs à savoir. Putain, hélico, ça c'est un perso. Ça c'est un joueur, ça, non? Ouais, je crois que c'est un joueur. Donc, c'est des petits trucs à savoir, mais c'est intéressant quoi. Donc, 1347$. J'ai fait ma petite mission, je suis content. Je vous conseille de poser à chaque fois l'argent à chaque fin de mission, mais il paraît que ça commande, il vous retire un petit peu des sous dessus. Donc moi personnellement je le fais, mais après à vous de voir si vous voulez attendre d'avoir une somme un peu plus importante pour le faire. Là on est au début du jeu, donc j'ai pas envie trop de me faire ruiner. Je pose les sous, on ne sait jamais, je sais pas si une personne me tue, ça va remporter les 1300 ou pas. Donc on va voir ça de suite, pardon. J'aimerais bien trouver un petit véhicule sympa. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous avez bien, vous êtes aperçu aussi que dès que vous appuyez sur start, sur par exemple si vous voulez mettre la musique, ça ralentit plus comme dans le solo, donc c'est un petit peu à peu près normal. Et vous avez aussi ça j'ai montré, ça j'ai montré, ça j'ai montré. Qu'est-ce que j'ai pas montré? On va se mettre sur le côté tranquille. Appuyant sur start, donc au fur et à mesure vous avez bien compris qu'on finit le tutoriel, ça vous déverrouille des choses. Là pour l'instant j'ai les magasins pour les braquages, les points blancs sur la map pour toutes les personnes qui se demandent, c'est les joueurs, les autres joueurs qui sont sur la map. Bon après le coiffeur et tout ça j'ai pas besoin de vous l'indiquer. J'attends juste qu'une mission pop, donc en attendant on va se faire un petit braquage, tiens, pour le fun. Et vous voyez en haut à gauche, il est marqué si vous jouez fair play, vous recevez régulièrement une récompense. Donc ça peut être intéressant et c'est pas négligeable. Après, bien sûr, vous jouez comme vous voulez. Si vous êtes un mec qui kiffe tuer des gens, bah tuez des gens, écoutez, faites ce que vous voulez. Hop, un petit appel de Simon. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out. For sure. Alors, pour booster un petit peu la conduite, on m'a dit qu'il fallait faire pas mal de sauts dans le jeu, pas mal de dérapages, pas... Ah oui, putain, quel dinde. Donc ça aussi, une chose importante, si vous volez des voitures, de toute façon, c'est ce qu'ils vont nous montrer là comme tutoriel. Il va falloir qu'on sème les flics d'abord. Si vous voulez une voiture, passez à Los Custom pour changer la peinture, vous avez compris, c'est... C'est, on va dire, comme la réalité, entre guillemets, c'est ça, hein, c'est genre vous voulez une voiture, il faut vite la repeindre pour que ben, les flics ne soient plus en recherche sur vous. La perso, je suis passé devant un commissariat, vous avez vu que tout le monde s'est affolé d'un coup. Donc, hop, c'est bon. C'est 7 geckos, les gars, 7 geckos à tuer, FR Loïc, je sais pas quoi. Il y en a, ils ont des noms, la vérité me tue, quoi. Franchement, c'est trop rigolo. Bon, après, je vais pas dire que le mec il est énorme non plus, hein, parano, c'est pas non plus un truc de fou. Alors, on va repasser par là, en espérant que je repasse pas devant le commissariat, parce que ça c'est bête. Ça serait un petit peu con. Hop. Alors comme d'habitude, hop, inventaire, c'est un coup à prendre, mais dès que vous l'avez, franchement, c'est grave, grave, grave stylé. Hop. Salut. Ça va comment, ouais. Vas-y, vas-y, sors tout, sors tout. Allez, dépêche-toi. Donc, verrouillez tout le monde. Vous pouvez aussi monter la carte si vous avez peur qu'un joueur arrive derrière vous. Alors lui, il m'inspire pas confiance du tout. Bon, c'est bon. Il a pas l'air d'être trop hostile. Ok, c'est bon, on est parti. Verrouillage, inventaire, masque de hockey. Hop. Ah, par contre, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Je pense que ça, ça a été con. De le faire direct, j'aurais dû partir d'abord et ensuite enlever le masque. Là, je l'ai enlevé en même temps et ça, c'est un truc à pas faire, je pense. Donc là, j'ai fait un peu la dinde. Excuse-moi, mon gars, je vais t'écraser. Oh no, shit. Donc on va repasser par là. Merde, il y a un flic. Il y a un flic. Il va tourner ici, bien évidemment. Donc on va essayer de l'esquiver. On va se rendre à Los Custom pour tout simplement customiser sa voiture. Je sais pas s'ils vont me voir là comme ça. Ah, c'est bon. Alors, Los Santos Custom. On va en trouver un dans le coin. Où c'est qu'il y en a un? Où c'est qu'il y en a un? Où c'est qu'il y en a un? Donc, on va pas se casser la tête. Los Santos Custom, il y en a un là.
Donc le plus près, on va dire que c'est là. Et en plus, il n'y a pas de joueur, donc tant mieux. Ça va être easy money. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs trucs à faire. Il y a énormément de choses à faire. Mais c'est vrai que les missions intéressantes, on va dire intéressantes, il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des grosses missions qu'on m'a dit qu'ils aient commencé à partir du level 50. Et quand je vous dis des grosses missions, c'est les gros braquages qu'on fait lors du solo. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ce petit endroit que je ratais tout le temps lors du solo. Pour toutes les personnes qui m'ont suivi sur le solo. Et je l'ai raté encore une fois, même que je n'étais pas dans le solo. Donc, pour toutes les personnes qui me connaissent pas, parce que peut-être vous débarquez comme ça sur la vidéo, vous savez pas qui je suis. Moi, c'est Poirano, 25 ans. Je fais des vidéos. Je suis d'abord à la base compositeur. Je fais beaucoup de musique, je compose beaucoup. Et je me suis fait cette petite chaîne gaming pour le fun. Et franchement, ça me plaît énormément. Vous êtes déjà presque 7000 à me suivre dessus. Et franchement, c'est juste énorme. Je fais beaucoup de let's play. Je fais beaucoup de vidéos découvertes, beaucoup de vidéos détentes. Et puis là, on se retrouve dans Los Santos Custom. Ça va vous apprendre 2-3 petits trucs. Donc là, c'est encore le tutoriel. Et pour finir sur ma présentation, je fais des vidéos comme ça, sans prise de tête. De toute façon, vous avez bien remarqué si vous suivez depuis le début de la vidéo. J'ai fait aussi toute l'intégrale sur GTA V. Donc je vous inviterai à la voir si vous l'avez pas vu. J'ai fait quelques guides sur ce jeu. J'ai fait pas mal de choses. Il y a à peu près une 30 ou 40 vidéos sur GTA déjà, sans compter le multi qui va arriver bientôt. Donc voilà, petit parcours tranquille, je suis vraiment content, ça fait un an que cette chaîne est ouverte et ça fait vraiment plaisir et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début d'ailleurs. Et on répare déjà le véhicule, c'est pas mal du tout. On va vite prendre prévention, perte et vol pour mettre une balise sur son véhicule et assurer la véhicule tout risque. On va vite changer la peinture. Avec une petite musique d'Ali Boumaye de The Game avec Rick Ross, To Change pour ceux qui connaissent. Ah lol. Allez, comme d'habitude, on va la mettre en orange. D'ailleurs, la couleur du crew, je crois que je vais la mettre en cette couleur là. Parce que franchement, c'est vrai que je trouve que ça pète énormément cette couleur. Et voilà notre voiture toute neuve, toute stylée, assurée. Et avec une balise. Donc à quoi sert ça, tout ça? Ben, c'est marqué juste en haut en même temps que je suis en train de vous le dire. Si vous perdez votre véhicule... Oh my fucking god. Donc si vous perdez votre véhicule, vous le retrouverez sur la map parce que maintenant il y a une balise dessus. Et vous êtes assuré. C'est juste stylé. Oula, t'as fait me rentrer dedans. Donc là c'est pas bien ce que je vais faire, mais je suis obligé mon gars, je vais te péter. Donc vous voyez que là je sors de mon véhicule et j'ai direct le véhicule qui est affiché dedans. Alors toi t'es un petit peu un malade, j'écoutais des musiques de fou. Je dis pas que les mecs écoutent du hard rock, c'est des musiques de malade. Si, un peu, je rigole, mon père est rocker donc. Par contre j'aimerais bien rentrer dans Los Custom mon gars. Ah c'est le tuto donc tu veux pas que je rentre. Tu veux que je m'énerve. D'accord, ce véhicule est recherché, vous pouvez pas le modifier. Ah, je peux pas le modifier si le véhicule est recherché. Et comment tu veux que Bon. Ok. D'accord. Alors attendez, je vais faire une petite chose parce que depuis tout à l'heure ça me saoule sur Skype. J'entends que ça. Je suis dans une conversation où les mecs doivent parler pendant. Ils doivent être en train de s'amuser à faire je sais pas quoi. J'ai plein de notifications. Ça me saoule un petit peu, excusez-moi. Ouais, 30 notifications, c'est bon quoi. Voilà, comme ça on sera tranquille. Depuis tout à l'heure j'entends les tweets, le truc de Skype, ça commence à me péter la tête. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. On attendait juste le petit message de Gérald qui vient de nous envoyer pour faire la dernière mission du tuto. Et on y va de ce pas. J'espère que je vais tomber avec des équipes, avec des personnes qui jouent assez bien. Et que la partie va être équilibrée surtout parce que se retrouver à 2 contre 7 la première fois que je fais cette mission, je peux vous dire que ça m'a fait un peu chier. Alors ça c'est pas un joueur, c'est un bot, mais je sais pas, il est pressé. Non, franchement ce jeu c'est que du bonheur, la vérité c'est que du bonheur quand ça veut marcher. Donc quand le jeu veut bien marcher, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'on s'éclate sur ce jeu, franchement c'est que des barres, voilà, il y a des barres de rire, des barres de rire. Vous faites des trucs,
C'est vachement rigolo. Les missions sont plutôt bien réussies, bien stylées, bien scénarisées. Franchement, moi je m'éclate. Et surtout les oiseaux, faites-le en crew. Faites-le à plusieurs, c'est vraiment énorme. Surtout quand un du crew commence à partir en vrille et essaye de vouloir tuer tout le monde. Alors là, j'ai pas compris. Je me suis pris un truc qui vient de popper sur la map. Donc ça arrive fréquemment sur ce jeu. Je me languais la version PC juste pour ça, quoi, pour tout ce qui est clipping et tout, parce que c'est vrai que des fois des choses qui apparaissent sur la map, ça fait un peu chier. C'est pas grave. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour prendre du bon temps, s'amuser et se prendre un poteau en passant. Alors, première mission, extermination. Vous allez voir, le concept est plutôt... C'est un petit, on va dire, un petit match à mort. Vous avez qu'une vie. J'espère que ça va pas bugger les oiseaux. Parce que la dernière fois, ça a bugué à cette mission et j'ai dû arrêter toute la vidéo à cause de ça. Et comme j'aime pas quand ça bug, je reprends et tout ça. Vous savez que moi, je fais tout au feeling. Je fais tout à l'instinct. Donc, il n'y a pas de trucs préparés à l'avance ou quoi que ce soit. On est là, on fait les trucs bien ou qu'on essaye du moins. Alors là, il vous explique encore comment se passe cette mission. Lorsque vous rentrez dans une zone d'activation, vous avez le choix entre rejoindre ou héberger ou activer. Alors, là, je vais vous expliquer tout ce qui est... Héberger, c'est vrai que c'est pas mal du tout, comme ça vous choisissez en fait, c'est vous qui customisez en fait la map, quoi, qui customisez, on peut dire ça comme ça, vous pouvez choisir le temps, on peut choisir la musique, on peut choisir, je sais pas, plein de choses, et quand vous rejoignez en fait, vous tombez directement avec la personne qui a choisi ça, en soi, de rejoindre ou d'hoster la partie c'est pareil, sauf si vous voulez vraiment... Vous voulez vraiment hoster pour, je sais pas moi, si vous voulez qu'il pleuve sur la map, qu'il y ait telle ou telle musique ou quoi que ce soit, moi perso j'enlève tout. Vous avez le choix des armes, par contre un gros conseil, ces missions extermination, je les conseille pas au début du jeu, pour la simple et bonne raison que des mecs s'amusent au niveau 23, s'amusent à les faire, les 23, parce que je suis tombé sur une personne qui est level 23, des mecs des levels, on va dire, des, plus haut, 20, 30, 40, s'amusent à faire ces missions, et quand vous tombez avec un mec qui est level 30, qui a déjà des fusils d'assaut, qui a déjà tout ça, gilet pare-balles, qui est déjà bien équipé, que vous êtes level 3, que vous venez de commencer le jeu, c'est vrai que c'est pas facile pour vous, surtout que le mec vous one-shot au bout de la map alors que vous l'avez même pas vu. Donc je vous conseille de pas les faire au début et plutôt de payer sur d'autres missions. La petite musique de Phil Collins. J'espère que je dis pas de la merde parce que là d'un coup ça me fait douter un peu la musique. Bon, elle était finie, ok. Ok, pas de problème. Donc rejoindre ou héberger, on va rejoindre directement. J'espère qu'il va y avoir du monde. C'est juste que ce que j'espère, vu que depuis tout à l'heure j'ai pas croisé grand monde sur la partie. Ça me ferait chier de pas finir le tuto parce qu'il y a personne sur la map. Et là ça a un petit peu de bugué. Allez, s'il te plaît, ma gueule. Oh putain, je sens que ça a frisé, quoi. Donc c'est ce que je vous disais, des fois vous lancez des missions, tout se passe bien, et d'un coup, le jeu freeze. Quoi? Le jeu freeze. Les serveurs sont tellement instables et tout, que des fois des activités bug. C'est pour ça, ce patch, il est bien. Il est bien, sans être bien, parce que c'est vrai que maintenant, on peut à peu près jouer au jeu. Mais c'est pas facile. Alors déjà, ça marche. Je suis plutôt content. Ça a mis énormément de temps, mais c'est pas grave. Je vais couper la radio, s'il vous plaît. Radio éteinte. Donc c'est mon lot. Équilibrage, on peut équilibrer les équipes, c'est bien. Créneau horaire actuel, le matin, vous pouvez choisir la météo actuelle, c'est pas mal aussi. Les armes départ, pistolet. Ça c'est cool. Achat des balles, vous pouvez directement acheter des balles. Ça c'est vraiment intéressant, par exemple, si vous vous trouvez à court de munitions. Et vu qu'on est pas mal de personnes, déjà je peux déjà lancer la partie. 2, 4, 6, 8, ça va faire du 4 contre 4. J'ai mis équilibrage normalement si tout va bien. Vous pouvez attendre que plein de gens rejoignent, vous pouvez attendre plein de choses. Et on se retrouve déjà, bon, équipe 2, vous pouvez voir l'équipe d'en face. Lol, que des mecs en mode lunettes. Ok. Oh. Putain, je croyais que c'était un collègue à moi. Non, non, j'ai halluciné. Allez, c'est bon, on est prêt. Moi, je cherche même pas à comprendre. Donc c'est parti, lancement de l'activité dans 10 secondes. J'espère que toute l'équipe est prête et qu'on va un petit peu les poutrer. Donc vous allez voir, c'est du match à mort par équipe. Et vous avez qu'une seule vie. Donc les personnes sur qui vous jouez sur les toits,
d'entrée de jeu. En mode extermination. Et on est parti. Donc vous voyez que sur la mini-map en bas à gauche, vous avez énormément de petits trucs à ramasser. Ce que je vais essayer de faire, du moins, on va voir comment ça se passe. Ce que j'essaie de faire à chaque fois quand je joue en extermination, c'est d'essayer de les bloquer dans une ligne droite. Comme ça, ils n'ont pas de points pour se cacher. Et vous, vous avez directement le petit truc qui fait la différence. Alors attendez, parce qu'il y en a un direct qui arrive là. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Moi, je les laisse arriver sur moi, je vais pas vous mentir. Alors ça tire déjà, je comprends pas pourquoi les mecs ils tirent alors qu'on est à l'autre bout de la map. Je les vois pas. Je les vois pas les oiseaux, je les vois pas. Là ils sont deux en plus, j'espère que je vais pas me faire poutrer. Je le vois. Moins un. Dans l'autre côté, de l'autre côté ma gueule. Pourquoi tu te mets là? Putain, fais chier. Il est où? Il a poutré, bien joué à toi. J'espère qu'il est pas sur le toit, il est là-bas. Je le vois pas, personnellement je le vois pas, je sais pas où il est. Il est en face de moi mais je le vois pas. On va y aller doucement. Peut-être dans la petite ruelle. On peut pas passer par là. Merde. On peut pas passer par là. Ah peut-être par là, par là. GG, auto GG frère. Donc c'est bon, pour l'instant j'ai fait pas mal de meurtres. Et hop, la partie est finie. Et on a plutôt bien assuré. Donc on est vainqueur. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc bien sûr c'est qu'une vie. Vous avez des jeux où vous pouvez avoir plusieurs vies. Genre il y a des sommes de points à finir. Donc le petit si la famille. Donc c'est pas mal passé. Alors j'espère que ça va pas bugger. Vous pouvez noter la map. Donc un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit like. Alors il y en a un qui a marqué je n'aime pas, d'accord. Il a pas aimé du tout le concept. Donc ça doit être peut-être une personne. En fait il a pas compris que c'était pas le système de jeu qu'on notait, mais c'était la map. Donc je sais pas ce que j'ai fait. D'accord, si tu cliques sur le truc tu peux muer direct la personne. Alors UPS hardware a commencé à jouer à GTA 5. On attend le vote de des personnes restantes pour continuer, mais ils ont pas l'air trop décidés. En fait, c'est normal. Hein. Ils débutent le jeu, donc ils doivent se dire what the fuck, faut faire quoi, puis où, pourquoi ils disent ça, où je suis dans un chargement, qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui aiment pas. Ok. Ok, il en manque plus qu'une, si s'il te plaît, monsieur. Monsieur. S'il vous plaît. Macaroon. Ah voilà. Donc on se retrouve dans les activités. Et moi personnellement je retourne directement en mode libre. Pour déjà sauvegarder mon personnage quoi. J'espère que ça va sauvegarder. Là normalement vu que j'ai mis un petit point dessus, j'espère que les gens vont cliquer dessus. Vite fait. Allez mets le mode libre s'il te plaît. Qu'on se taille d'ici. Donc là tout le monde peut voter hein. Sur 6 personnes, il n'y a personne qui a voté. En fait, ils doivent pas comprendre de dire waouh, il se passe quoi. Alors, jeu de puissance, moteur, course, itinéraire express. Moi, je vais juste retourner en mode libre pour faire ce que je veux. Je veux vraiment lancer mes activités où je veux. Après, vous choisissez plein de choses et vous pouvez rejouer la mission. Jeu de puissance, le centre, d'accord. Un endroit, attention, passerelle, terrain. Ok, ce que j'aime bien aussi, c'est j'ai hâte de faire l'émission un petit peu extrême. En groupe, ça peut être énorme. L'émission extrême en groupe. Donc là, je sais pas ce qu'il fasse. Comme on est sur le multi, vous l'avez bien compris, il faut attendre. Donc en bas, ça recommence dans 20 secondes. J'espère que des gens vont me voter. Et puis voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous plaît. Sur le multi, ça fait plaisir de pouvoir enfin faire une vidéo dessus. On est quel jour? On est actuellement le 7. On est lundi 7. Et c'est vrai que le jeu est sorti il y a 7 jours exactement. Il y a 6 jours. Et... pas une vidéo dessus, pas c'est impossible, tellement c'était instable, tellement j'arrivais pas à jouer. Moi je peux pas vous mentir, moi c'est depuis le deuxième patch qui est sorti que je peux vraiment jouer à ce jeu, surtout multi quoi, parce que c'est vrai que là
que de la merde quoi. C'était que de la merde. Pourtant, j'ai tout essayé quoi. J'ai sorti le jeu, j'ai embrassé le CD, j'ai tout fait quoi. J'ai envoyé des messages d'amour à Rockstar pour qu'ils fassent des choses. Ah, je fais un boucan. Mais non, sérieusement, franchement, ça me faisait un petit peu partir en vrille. Vite, je vais récupérer ma voiture. C'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Vite, j'espère qu'il va pas me tirer dessus. Monte. Mais j'étais pas venu avec celle-là, moi, wesh. J'avais même ma voiture là, putain, ils me l'ont estanqué. Bon, c'est pas grave. La chose qui est bien en soi là maintenant, c'est que vu que j'ai terminé le tuto, je peux rejoindre mes collègues sur le multi. Je peux lancer n'importe quelle activité. Ça a l'air d'être assez stable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour s'amuser? Déjà, pour commencer, on va mettre un petit peu ses sous en banque. Vu que j'ai quand même 3000 dollars sur moi, oulala, c'est tarpé d'argent. On va mettre ses sous en banque, ça c'est le truc que je vous conseille à faire à chaque fois. Donc excusez-moi les oiseaux, si je parle énormément lors de cette vidéo. C'est vrai que même moi, je me rends compte que j'ai débité en mort. C'est juste qu'il faut que je vous explique les choses bien comme il faut. Du moins, j'essaye. Ça va, bitches? Genre, il m'a dit loser, ce bâtard. Lol. Ah, il est énervé. Petite baston. Non, non, je veux pas te frapper comme ça. Que comme ça. Loser. Bon. Allez hop, on va se casser parce que ça sert à rien de faire ça. Vous avez vu que les patates sont toujours aussi énormes sur ce jeu. J'adore faire ces putains de patates de merde. Excusez-moi pour le langage aussi. On va s'excuser pour toutes les choses en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un petit braquage par ici? Pourquoi pas. Et là maintenant, on n'a plus qu'à attendre les missions qui pop en fait par téléphone. C'est la liste d'activités. Vous pouvez vous amuser aussi à faire des missions extermination, des missions de course, etc. etc. Moi personnellement, j'aime bien faire des petites missions braquage. Ça se connaît, Marseille, les braquages, lol. Enfin, je rigole bien sûr. Mais j'aime bien faire ces petites missions braco. Les tatouages, je vais pas vous les montrer parce que pour le moment, il n'y a rien d'intéressant en fait. Tout est bloqué. Donc ça sert à rien que je vous montre des choses si je peux pas équiper mon personnage. Les tatouages coûtent assez cher. De toute façon, tout coûte assez cher dans le jeu. Oula, j'ai mis un petit freeze. Donc je vous conseille dès le début de rien tenter quoi. Vraiment s'amuser. Vraiment, vraiment de faire ce jeu en groupe. C'est juste primordial de faire un multi. De toute façon, on appelle pas ça un multi pour rien. Faites ce jeu en groupe les oiseaux, c'est juste énorme. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fail encore une fois, j'ai pas mis mon masque. On va le mettre de ce pas. Et on va aller voir notre vieil ami. Ching Sang Song. Ok. Ok. Donne-moi l'argent. Donc, une chose que je vous ai pas dit aussi, je pense pas. Vous pouvez. Les gens vont me dire ah mais tue le mec, il prend l'argent dans la caisse et tout ça, tu vois. Je pourrais faire ça. De 1, ça donne moins d'argent. De 2, je monte direct à 3 étoiles. Et ça m'intéresse pas de monter à 3 étoiles puisque les flics déjà à 3 étoiles sont super chauds. Donc on va rester comme ça et on va le faire normal. D'accord. Et on se taille. Donc juste après ça, déjà on va partir dans la montagne, comme ça les flics ne vous verront pas. On va éteindre les phares en mode soum soum. On va rester ici tranquillement et on va regarder les flics essayer de nous chercher. Voilà, c'est plutôt rigolo. En même temps, comme ça j'enlève le masque. Hop, j'ai perdu une étoile. Donc vous voyez, c'est bien de le faire quand quand vous avez bougé de l'endroit en fait. Ça sert à rien de le faire à l'endroit. Et en attendant que les flics cherchent, je vais chercher un truc d'AMO. Et ben voilà. Ben juste devant, ça sert à rien que je mette le flash le truc dessus. Pour aller m'acheter mon petit canoncier que j'affectionne tout particulièrement. Vous savez que moi les fusils à pompe c'est une longue histoire d'amour. Et on va aller prendre ça tranquillement. Hamination. Les gilets pare-balles, ça sert à rien, je peux pas les prendre, je peux rien prendre du tout dès le début du jeu en vrai.
Alors. Ok. Ok. Donc, je prends le chargeur plein à chaque fois. Je cherche même pas à comprendre. Et mon petit fusil à pompe, il est là. Il est gratuit. Donc, j'ai pris toutes les balles nécessaires. C'est bien de s'équiper un maximum. Donc voilà, vous voyez qu'une personne a envoyé une mission en fait. Je peux accepter cette mission directement. En allant sur le téléphone. Donc liste d'activités. Merde. Disponible, excusez-moi. Vous pouvez aussi une invitation. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, mais elle y est pas. Disponible, ouais, j'appuie, mais ça marche pas. Bon. Ben vous voyez que ça bug encore un petit peu. On va le refaire dans la voiture. Non, non, ça marche pas. Bref, les contacts. Alors, toutes ces personnes sont des contacts que vous avez qui sont en train de jouer actuellement avec moi dans la même map. Attends, Maru, il est en train de jouer dans la même map que moi. Je suis en train d'halluciner là. Non, c'est qu'il joue au jeu en fait. D'accord. C'est toutes les personnes qui jouent. Il y a les contacts qui sont dans ma liste Xbox et plus les contacts qu'on a actuellement. Je croyais que c'était mon téléphone, j'allais dire wesh, il a une méchante sonnerie mon téléphone. En fait de la merde. Alors, liste d'activités rapides. Rejoindre partie aléatoire, rejoindre course, rejoindre affrontement, rejoindre mission. Ah, c'est pas mal du tout ça. Et j'avais même pas encore grillé ça, vous voyez. Donc les paramètres du téléphone, comme dans la version solo. On va mettre celui-là parce que l'autre il est stressant. Vibreur avec ou sans, ouais on va laisser sans. On va pas se prendre la tête. Est-ce que je suis en train de vous dire, donc c'est tous les contacts plus les contacts que vous avez lors du jeu, donc Simeon, Gérald, etc. On va voir s'il a quelque chose à proposer. Hey, can I help you with something? D'accord. Give me a shout when you know what you want. D'accord, donc il nous appellera quand il voudra nous donner une mission, le monsieur. Monsieur Simeon, l'Arménien. Alors qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Pourquoi pas rejoindre une mission, une activité directe? Ah, je suis chaud au braquage, moi, vous savez quoi, là, je suis trop chaud au braquage. J'aimerais bien trouver une voiture, une R8 là. Donc, ce que j'appelle le R8, je pense que toutes les personnes qui jouent au jeu voient de quelle voiture je parle. Pour le moment, je trouve que des voitures, que de la daube là. Et celle-ci en fait, elle a une façon bizarre un petit peu de tourner et tout. Je trouve qu'elle est super lourde la voiture. J'aime pas trop ça. Surtout quand je dois faire des courses poursuites, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Elle part vraiment en vrille au premier virage. Vous voyez? C'est un truc de malade. Et là j'ai rien fait, hein. J'ai tourné tout juste quoi. Donc petite station essence, on va se mettre devant. Donc éviter, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Inventaire, masque. Ah la petite patate, patate de fourrin. Salut, le mec, j'ai un casque, j'ai un masque, mais. Allez, bouge-toi. Shotgun power. Attends, y'a personne à côté là? Non, ça va. Par contre, si y'a un joueur qui se rapproche de moi là en bas, j'espère qu'il va pas tenter. Non, il a tourné, ça va. Je suis un petit peu parano, hein, mais c'est normal. Je sais pas vous mentir, je me suis tellement tué dans le dos parce que je regardais pas la map, ça me fait un petit peu chier quoi. Voilà, là, j'ai pas une chimie idée. D'accord. Vous avez vu? Vous avez vu ou pas ce bâtard? Il essayait de me tirer dessus quoi. Vite on se casse. Heureusement que je l'ai pas tué. Par où je vais passer? Par où je vais passer? Je vais passer par là. Et je vais pas essayer de monter dans la falaise cette fois-ci parce que je connais cet endroit. Je suis déjà passé. Et what the fuck, je suis obligé de me prendre les condés. Bon c'est parti. Donc hein, un moment c'est inévitable. Voilà. On va essayer de trouver un petit endroit pépère. Alors. Ok, j'ai failli les semer pendant 4 secondes, c'est bon. Donc là c'est fait, maintenant il va falloir que je me cache dans un petit endroit tranquille. Alors les petits endroits tranquilles, ça me connaît. Par où on va se mettre? Par où on va se mettre? Là j'ai pas choisi évidemment le bon truc. Je t'ai vu. Vas-y accélère. Putain, elle a du mal hein, mon gars. Mais quand elle est lancée, franchement, elle est super bien. Hein, mais c'est vrai que tout ce qui est virage et tout, elle a du mal à les gérer. Puis c'est aussi ma façon de conduire qui est un petit peu pitoyable. Bon, ça nous améliore la conduite, on va pas s'en plaindre.
Hey, ils sont chauds. Rende. D'accord, j'ai pas compris là ce qu'il y a marqué. Rende crew 6 voyou. Ok, donc j'ai augmenté le rang du crew. D'accord, il y avait un emblème bizarre par contre. D'ailleurs, en parlant d'emblème, pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui connaissent un petit peu un emblème sur GTA, parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs, ils avaient des emblèmes super super stylés. On recherche actuellement une personne qui pourrait nous faire un emblème de fou. Là, j'ai vu carrément un mec qui a refait Tupac, quoi. J'ai halluciné. J'étais avec Chitou et Maro, on a pété un plomb. Donc pour toutes les personnes qui sauraient faire des emblèmes et tout ça sur GTA, franchement, essayez de me contacter parce que ça me ferait tarpin plaisir d'avoir un sale emblème. Et qui sait, ben même de rejoindre le crew. Je vais essayer de voir, de laisser dans la description le truc du crew. Je sais pas comment ça fonctionne encore. Lui, il aurait pu se mettre là pour tourner, mais il a voulu se mettre là juste pour me casser la tête, quoi. Fuck you, bâtard. Attends, tu me casses la tête? Tu vois pas, je suis là avec mon masque de Jason. Qu'est-ce que tu as? Ouais, tu veux quoi? Tu veux quoi? Fais pas genre, je suis sorti du travail, enfoiré. Là. Putain, les mecs, ils te cassent la tête. Et là, tu conduis tranquille. Je rigole. Je vous en boucane là. Alors attends, inventaire, lunettes. Hop, on se remet les lunettes. Tranquille. On remonte dans la voiture, au calme. Et voilà les gars, on est reparti. Je pense que pour la première vidéo, on va s'arrêter là. J'ai déjà parlé de pas mal de choses. J'ai déjà parlé beaucoup, déjà tout court. On a évoqué plein de sujets. Les vêtements, les scies, les armes. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et je vais m'empresser d'enregistrer la deuxième vidéo. En attendant que j'ai quelques missions qui pop. Ce qu'on va faire, je pense, lors de la deuxième vidéo, c'est faire un petit peu tout ce qui est course terrestre et tout ça, histoire de monter un petit peu. En termes de rang, il y a pas mal de missions braquage aussi à faire sur la map, c'est juste hallucinant. Donc ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la première vidéo. Moi je vais m'empresser de... on peut passer en mode passif, alors je vais vous montrer directement comment ça se passe. Vous repartez encore dans l'inventaire et le mode passif est là. Donc ça coûte 100$, vous cliquez dessus, donc ça vous retire de votre sous. Ok, et donc je me suis mis en mode passif, donc les gens peuvent pas me tuer normalement. Mais sûr, je sais pas si ça marche réellement ce bordel. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais poser mes sous. Parce que j'ai fait 2-3 braquages. Au cas où, si je meurs du temps que j'envoie la vidéo sur le PC. Moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour toutes les personnes aussi qui m'ont rejoint depuis pas très 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 longtemps. Ça fait vraiment vraiment plaisir. J'ai fait aussi pas mal de vidéos en ce moment sur BF4 vu que la bêta est sortie, que je suis le seul je crois à aimer cette bêta. Et je vous inviterai à regarder le petit montage que j'ai fait, il a l'air de pas mal marcher. En mode sniper qui coule, lol, il a l'air vite. Oh là là, en plus avec... Oh, c'est quoi ces boobs? Ça se dégage. C'est toi qui écoutais cette musique? Putain, voilà quoi, j'étais en train de faire un truc, parler tranquille. What the fuck? Attendez, on va se mettre dans un drop paper. Donc j'étais en train de dire que j'avais fait un petit montage qui a l'air de vraiment plaire à beaucoup de gens. Ça m'a d'ailleurs choqué. Alors ma manette c'est déco. Lol. C'est un truc de fou frère. Alors attends, le Condé là. Attends. Laisse-moi tranquille, je suis en train de parler gros. Ouais, le montage a l'air de pas mal plaire à pas mal de gens. Alors ça me fait vraiment vraiment plaisir. Grosse dédicace aussi à mon poteau Loclier. Qui fait d'énormes vidéos sur BF. Donc c'était un petit clin d'œil. Moi je vous retrouve bientôt pour la partie 2 de ce GTA Online. En espérant que les parties qui suivront seront accompagnées de 2-3 collègues. Je vous dis à très très bientôt. C'était Parano, allez peace.